Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, eh bien, je vous présente Danielle qui a suivi la formation pro féminité et elle va témoigner de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a vécu et de comment elle peut vous accompagner dans un protocole, une séance en mémoire cellulaire qui va interroger l'inconscient, qui va interroger nos profondeurs, notre lignée de femmes pour venir résoudre des problématiques que vous rencontrez vous dans votre vie. Danielle, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Comment tu es venue à cette formation-là? Quelles étaient tes compétences précédentes? Qu'est-ce que c'est venu compléter aussi comme compétences professionnelles en tant que thérapeute? Voilà, parle-nous un petit peu de toi. Oui, ben d'abord, je suis ravie d'être là. Alors moi, je suis praticienne de santé naturelle et j'aide plus particulièrement les femmes à rester en santé le plus naturellement possible. Mais vraiment sur les trois plans, le physique, l'émotionnel, le psychique. Et en fait, cette formation pro-féminité qui s'est amenée à moi, comme par hasard, bien que je ne crois pas du tout au hasard, c'était pas du tout prévu, elle est venue me chercher. Parce que ça fait un moment que je cherche sans chercher, mais je savais qu'il y avait, je sais qu'il y a autre chose pour aller plus loin, ou quelque chose d'autre chose de plus subtil, pour aller plus loin en fait dans la guérison. Voilà. Et c'est une amie, en fait, moi, qui m'a parlé de ta formation. Et quand j'ai vu tes vidéos d'information, mais je me suis dit, ça tombe vraiment au bon moment. C'est vraiment pour moi. Et j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir venir. Parce que je ne suis pas tout proche. Voilà. Mais franchement, je suis ravie d'avoir fait ces 4 jours. Parce que d'abord dans une ambiance tout à fait cocooning, bienveillante, le groupe était tout à fait bienveillant et chaleureux. Et ça, c'est 4. Oui, on n'était que 4. Et donc ça, c'est un grand luxe. Et puis, en fin de compte, c'est facile ce protocole. C'est tout simple. Il suffit juste de le suivre et de laisser faire en fait ce qui se passe pour que la personne puisse en fait évacuer ses mémoires qu'il a, on va dire, qu'il a voulu, entre guillemets, qui l'empêche en fait d'être qui elle est et d'avancer en fait dans sa vie. Et après avoir expérimenté plusieurs fois, et en fait, c'est facile, quoi. Il faut laisser vraiment. Voilà, c'est facile du moment qu'on comprend le contenu et qu'on sait l'amener. Bien sûr. Mais effectivement, voilà, comme tout apprentissage, au début, on tâtonne, on apprend. Voilà. Et ensuite, voilà, quand même, en quelques jours, vous l'avez toute maîtrisée. Oui. Et vous avez toutes pu faire des vraies séances en réel, très efficace, très libératrice pour l'accompagner. Oui, tout à fait. Et effectivement, il faut suivre le protocole, il est simple, mais il est aussi très sécur, hein, parce qu'on suit étape par étape. On ne part pas dans n'importe quoi, c'est vraiment étape par étape. Et quand on maîtrise chaque étape, effectivement, ensuite, c'est fluide. Hein. Voilà. Et on se sent en sécurité, on se sent accompagné, ça c'est quand même hyper important. Et puis alors, la chose formidable, c'est qu'au bout de la séance, il y a un résultat. Alors ça, c'est vraiment scotchant. Voilà. Et on va parler de tes résultats. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, tu disais dans ta vie, cette formation, elle arrive au bon moment. Oui. Et moi, j'ai compris quand même sur deux plans. En tout cas, c'est deux plans qu'on a bien travaillé. Oui. Le plan de la femme et le plan de l'argent. Exactement. Donc, ces deux plans qui sont très importants, hein. Déjà la femme, hein, pour être bien dans sa vie, dans son intimité, ça tu en as parlé, les résultats que tu as eu, en tout cas ce par quoi tu es passé, mais aussi l'argent, car effectivement en tant que thérapeute, hein, eh bien entendu on a énormément de bonne volonté, de capacité, de compétences à accompagner, mais il ne faut pas oublier qu'on reste humain et que bien entendu le fait d'être en profession libérale, ça vient nous chercher dans des peurs de manquer, des peurs de ne pas avoir ces deux personnes à accompagner, etc. etc. Donc, tout ça sont des blocages intérieurs. Donc, on allait voir ces deux pôles-là durant la formation. Et toi aussi, tu as vu sur ces deux pôles-là des résultats quasi immédiats. Voilà. Est-ce qu'on commence par l'intime en premier? Oui, l'intime, moi, c'était au sujet de la ménopause, parce que maintenant, je suis ménopausée depuis un an. Et j'ai un petit peu de bouffée de chaleur, hein. Plus particulièrement la nuit, enfin j'avais parce que je me commence à... Et la nuit c'est quand même gênant parce que
on a très chaud et après, on, contradictoirement, on a froid. Mmh. Voilà. Et donc, ça réveille et ça coupe le sommeil. Et donc, ma demande, c'était de pouvoir enlever ces bouffées de chaleur pour pouvoir récupérer un sommeil profond et en continu, surtout. Mmh. Et cette séance-là, je crois qu'on l'a fait dans les premiers jours. Oui. Voilà. Et bah, la nuit passée, là, là, c'est la fin du stage, et bah, j'ai pas eu de bouffée de chaleur. Mmh. Voilà. Donc là, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment payant, quoi. C'est vraiment super parce qu'il y a vraiment le résultat, il est là, quoi. C'est, résultat quasi immédiat. Ouais. Il y a eu plusieurs jours d'intégration. Voilà. Mais hier soir, tu as concrètement pu réaliser une nuit sans interruption et ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Voilà. Et je pourrais ajouter que moi, ça s'est fait assez en douceur. En fait, le défigement du corps a été relativement doux. Ouais. Voilà. J'ai eu des sensations dans mon corps, mais elles étaient douces. Voilà. C'est ça. Ouais. Puisqu'en fait, dans le protocole, hein, il y a la. Donc, c'est comme une enquête, hein, en fait, de quelle est la mémoire de mon corps qui aujourd'hui me bloque dans cette problématique. Donc, on met de la compréhension dessus. Et en fait, une fois qu'on a compris, on peut défiger, c'est-à-dire libérer ce blocage, cette mémoire. Mais parce qu'on a compris en premier d'où ça venait. Et le fait de comprendre, mais en fait, tout le corps, on apaise la vigilance, on est en sécurité. Et là, le corps se sent libre, en fait, de pouvoir libérer cette mémoire qui crée des insatisfactions de vie. Et pour certaines personnes, le défigement de la mémoire peut être intense. C'est-à-dire, on peut pleurer, avoir des tremblements, on peut, c'est corporel. C'est une phase qui peut être impressionnante parce qu'on n'a pas l'habitude de se lâcher. En fait, on est vraiment lassé, on lâche. Donc, ça peut être impressionnant pour certaines personnes. Et pour d'autres, ça peut être hyper doux. C'est-à-dire une circulation d'énergie, des petits frissons. Voilà. Mais en fait, le résultat est le même. C'est-à-dire, ce n'est pas l'intensité qui garantit le résultat. C'est quoi qu'il arrive, du moment que ça circule dans le corps et que le corps défige, il y a résultat. Donc toi, tu as vécu à chaque fois des séances très douces. Hein? Oui, relativement douces, voilà. Mm. Et en fait, c'est le corps de la personne qui parle, quoi. Ça ne sort pas d'un chapeau, c'est pas une autre personne annexe qui va aller mettre, qui va donner la solution. C'est vraiment la personne qui vient, qui trouve sa solution. Tout à fait. Et ça, je trouve ça, ça c'est puissant. Mm. C'est important de le dire, hein, parce que ça ne sort pas de nulle part, de l'accompagner qui vous dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas du tout, en fait, parce que chaque personne est unique. Et en fait, quand on accompagne une personne, moi-même, je ne peux pas dire quelle est la source de la problématique. Hein. Par contre, j'interroge le corps et c'est le corps de l'accompagné qui donne la réponse. Hein. Et ça, c'est bluffant, parce qu'en fait, on vient chercher la solution, la réponse dans le corps de la personne. Et en fait, c'est très individuel, en fait. Donc, c'était cette première révélation par rapport à toutes ces bouffées de chaleur qui ont disparu. Et la deuxième, c'était, comme on disait, par rapport à l'argent. En tant que thérapeute, eh bien, il y a besoin de... de débloquer des mémoires liées à l'argent, tout simplement, pour vivre de notre activité, pour aider un maximum de personnes, et d'être pérenne sur du long terme, c'est totalement légitime. Hein. Oui, et là, moi, j'ai vraiment compris que ça venait aussi de ma lignée transgénérationnelle, puisqu'il y a eu du manque d'argent, il y a eu du manque d'amour, donc tout ça, c'était lié. Et j'ai aussi compris, alors là, j'étais scotchée quand même, parce que j'ai compris que c'était moi-même, en fait, mon cerveau qui avait emmagasiné des croyances, comme du petit lait, on va dire, et qui avait bien emmagasiné ça, puis j'ai donc bien imprégné ça dans mon corps, et donc de cette façon-là, et ben je m'empêchais, en fait, de pouvoir gagner plus d'argent, quoi, clairement. Et ça m'a quand même scotché, voilà. Je ne m'attendais pas à ça, en fin de compte. Voilà. Oui. Et ça, je trouve ça le côté, entre guillemets, amusant, parce que je pense qu'il y a certaines... On peut venir à ces séances-là en se disant, en cherchant, se dire, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Il va sortir autre chose que vous ne soupçonnez même pas.
Et voilà. Des fois, on ne comprend pas. Voilà. Des fois, il faut le dire, on ne comprend pas pourquoi on a cette mémoire dans le corps. Voilà. Voilà. Mais le but, c'est que ça défige, que ça évacue, que le corps réagisse. Et ça donne aussi beaucoup d'humilité. Oui. Beaucoup d'humilité, à la fois, et beaucoup de puissance intérieure. Hein, de se dire, punaise, mais en fait, j'ai toutes les solutions à moi. J'ai juste besoin d'être accompagnée par quelqu'un. Mais en fait, toutes les solutions, enfin, en tout cas, toutes les problématiques ont leurs solutions. Il suffit juste que quelqu'un vienne m'accompagner, en fait, à les identifier. Parce que seul, on stagne. Hein. Enfin, on oublie. Hein. Seul, on a des œillères sur nous-mêmes, ça ne marche pas. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui a un regard neutre, un protocole, un suivi dans l'accompagnement sérieux qui nous permet d'aller voir tout ça. Mais on a aussi identifié chez toi un lien avec l'argent. Aussi, on a fait des ponts hein, avec manque d'argent, manque d'amour. Oui. Voilà, pareil, dans la lignée des difficultés sur ces deux plans. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Et moi, ce qui me vient là, c'est que si les femmes arrivaient à prendre conscience de tout ça et faisaient vraiment ce travail et régulièrement pour arriver à se nettoyer, d'une part, elles vont libérer les lignées ascendantes, mais aussi les lignées à venir. Et si toutes ensemble, on fait ça un maximum de fois, mais cette fois-ci, on va aller vers un monde vraiment meilleur, ce dont on aspire tous. Mais là, on va vraiment aller vers un monde meilleur. Franchement. Et on a travaillé sur l'argent. Et le soir même, tu avais un appel pour une séance individuelle. C'est exact. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Donc, vous voyez, résultat concret. Voilà. Immédiat. Immédiat. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de ton expérience? Car l'idée là, de cette vidéo, c'est que ce que vous découvrez Danielle, là, elle parle d'elle. Hein. Mais elle peut vous accueillir en fait, quelle que soit la problématique que vous avez en fait. Donc on va pas faire un listing de ce pourquoi elle peut vous accueillir, ça ne serait pas pertinent, parce qu'en fait un protocole en mémoire cellulaire, c'est vrai que la formation elle est orientée intime, argent et sexualité, mais en réalité comme on interroge l'inconscient, vous pouvez venir sur n'importe quel sujet identifié ou flou. Et puis on interroge le corps. Voilà, tout à fait. Moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que les personnes fassent confiance à la personne vers qui ils s'adressent. Tout à fait. Voilà, choisir la personne qui résonne le mieux pour eux. Tout à fait. Voilà, avec laquelle ils se sentent le mieux en regardant des vidéos. Voilà. Et puis après, venir vraiment détendu, parce que ça ne peut que bien se passer. Oui. Voilà, et puis il y aura un résultat à la sortie. Oui. Alors ça, c'est formidable, hein, franchement. C'est ça. Voilà. C'est ça, et puis le but de cette vidéo-là, c'est découvrir l'énergie de Danielle, comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle rayonne, est-ce que vraiment vous vous sentez, tout simplement, faites appel à votre instinct, faites appel à votre intuition. Vous dites, tiens, mais là, en fait, oui, j'ai envie d'aller voir ça et je vois Danielle en sa personne. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo être, voilà, l'état d'être, qui est Danielle, pour vous dire, c'est bon, quoi. J'ai envie, cette personne m'inspire et je me sens bien d'être accompagnée, tout simplement. Donc faites vraiment appel à votre intuition. Et si je peux encore rajouter quelque chose, c'est que, cerise sur le gâteau, je me suis délestée de quelques kilos. Ah, mais oui, c'est vrai. Et ça, c'était complètement inattendu. C'était complètement inattendu, voilà. C'est vrai. Donc, le poids émotionnel, c'est quand même, ça existe. Voilà. C'est vrai que du coup, pendant la formation, ça a été tellement intensif, il y a eu plein de prise de conscience hein, dans l'apprentissage et aussi dans donner et recevoir des soins. Et effectivement, donc Danielle et d'autres participantes, en quelques jours, elles se sont amincies. Oui, tout à fait. Oui, et visible au niveau des vêtements. Voilà. Donc, mesdames, vous savez ce qui vous reste. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait, j'ai envie de dire, logique, hein, puisqu'on travaille sur des blocages, on travaille sur aussi des sujets très profonds. Hein, parce que là, ça va, on a juste évoqué l'argent et les bouffées de chaleur.
Mais en réalité, on peut aborder des sujets autres et très profonds et très encombrants, avec des années de stagnation, c'est-à-dire peut-être même une errance thérapeutique. Et en fait, une fois qu'on se libère de ça, mais en fait, le corps, tout simplement, c'est une détox émotionnelle. Donc, le poids émotionnel se libère. Voilà. Super, merci de l'avoir rajouté parce que moi, je l'ai oublié.